What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his French crime, part two, part duh. So if y'all new here, subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. Get your ass out too. If you did not see part one, like this up, comment down below. Go watch part one, come back, watch part two. I appreciate it. But if you already know part one, you don't need a recap. It's aight. But with the part two, Jules made an appearance at the end. So we are part two now. Like this upcoming two, cause we going crazy. You ready? You ready? Son label. Et Jules était même entré en conflit avec Tonio Martinez, qui a tenté de s'immiscer dans l'histoire et aurait voulu manger sur le dos de Jules. Cependant, Nassim a dit à Tonio d'arrêter ses conneries et de laisser Jules tranquille, ce que Tonio a fait. Malgré son statut, les problèmes pour Nassim vont arriver aux alentours de 2014. En effet, après que plusieurs personnes du clan des Federici... Look. ...autour de 2014... I told you, if you did not see part 2, part 1, go watch that. Because part 1 was going crazy. Maybe if you didn't see part 1, you'll get kind of... You'll be lost. You'll be lost. Because people is wild in every episode. This episode is no different. En effet, après que plusieurs personnes du clan des Federici seront arrêtées pour avoir racketté des boîtes de nuit, Nassim a décidé de prendre le relais et a lui-même procédé à du racket de boîtes de nuit. Cependant, il va tenter de racketter des boîtes de nuit appartenant à deux figures du banditisme marseillais, les frères Campanella. Je n'ai pas besoin de les présenter, tout le monde les connaît désormais, et, en 2014, une guerre éclate alors entre Nassim et les frères Campanella, au sujet de boîtes de nuit situées à Aix-en-Provence. Le 7 novembre 2014, vers 11h du matin, Jean-Daniel Geronimi, l'associé de Nassim, fait tranquillement son footing sur une route du nord de la Corse, quand il est la cible de deux tirs de chevrotine dans le dos. Malheureusement, Jean-Daniel décède de ses blessures. Buckshot, that's a shotgun. That's a shotgun. I think I'm right. I'm trying to sound like I know what I'm talking about, but I think I'm right though. I think that's that shotgun. Damn. Une personne qui circulait en véhicule automobile a découvert le corps de Jean-Daniel Geronimi qui était en contrebas de la route de Vignal à Borgo. Visiblement, il faisait un jogging quand il a été... I feel like obviously they knew bro was doing that jogging solo dolo by himself. They knew. I feel like they knew all this. They knew. Oui, par une ou des personnes qui l'ont assassiné. Ben, les constatations débutent, hein, mais on a constaté qu'effectivement il y a des impacts de chevrotine au niveau du dos de Monsieur Geronimi. Oui, il est très défavorablement connu des services de police puisqu'il a fait l'objet de multiples condamnations, que ce soit pour des faits de vol à main armée, d'extorsion. Il a également fait l'objet d'une condamnation dans les années 80 pour des faits en lien avec une entreprise terroriste. Donc il a été à la fois condamné en Corse, à Marseille, sa dernière condamnation par la GIRS Marseille pour des faits d'extorsion qu'il avait commis en région calvaise. Et également, comme je vous l'ai indiqué, par le tribunal correctionnel de... Yo, I just gotta say this too. I be telling y'all, stay inside, look. Cause once you're outside, bro, for real, you're outside. You is outside. You can try to change your life, trying to do better afterwards, trying to come back inside. But the thing is, the only thing is, when you've been outside, you're trying to come back inside, the people are trying to come and get you. They'll try to come and get you. Cause you already been outside. You already been on the streets. You already been doing the crazy stuff. So yeah, don't try to clean it up afterwards. Trying to be, say, no, I'm not with it. No, no, it don't go like that. You're already in the streets, buddy. So that's why I be telling y'all, stay your dumb ass inside. Please, please take these tips. Some of y'all try to leave that street life alone. I don't think it works like that. Honestly, I do not think you can leave that shit alone. D'extorsion qu'il avait commis en région calvaise et également, comme je vous l'ai indiqué, par le tribunal correctionnel de Paris, statué en matière terroriste. Les commanditaires de ce meurtre seraient prétendument les frères Campanella et, après la mort de son associé Jean-Daniel, Nassim commence alors à paniquer et il se dit que maintenant, il n'y a plus de marche arrière possible, que c'est le tout pour le tout. Il décide donc de rentrer à fond dans la guerre contre les Campanella.
Selon certaines rumeurs, Nassim se rendait devant le domicile de Michel Campanella et l'attendait avec des hommes armés dans un fourgon afin de l'éliminer. Nassim était vraiment une grande menace pour les Campanella, il n'avait pas peur de leur tenir tête, il subira alors plusieurs tentatives d'assassinat, chacun des deux parties cherchait à tuer l'autre en premier, malheureusement, c'est les Campanella qui auront le dernier mot. Le 25 janvier 2016, aux alentours de 14h, Nassim se trouve dans son véhicule, il circule dans la commune du Bouc Belair, dans la banlieue de Marseille, quand tout à coup, une Renault Clio le prend en chasse, à son bord, trois hommes, peut-être quatre, une Renault Clio. Look, right here, it's in the suburbs, so, y'all be saying the hood, so bro, basically in the hood, right? The... Dans la commune du Bouc Belair, dans la banlieue de... The Belair suburbs? It's like the Bouc Belair hood? Trenches? Ghetto? Comment down below. Because y'all be telling me about the suburbs. It's not like the suburbs I be knowing. It's kind of different. This be like the trenches, the ghetto. Let me know down below in the comments. I think it's right though. Marseille, quand tout à coup, une Renault Clio le prend en chasse, à son bord, trois hommes, peut-être quatre, armés d'une Kalachnikov et de 9 mm. Ouvre le feu sur la Renault capture de Nassim, atteint une première fois, Nassim est forcé de ralentir, les agresseurs tirent alors une nouvelle rafale de balles sur lui. Damn. Les tueurs ne lui ont laissé aucune chance, atteint à plusieurs reprises dans la tête, Nassim décède malheureusement sur le coup, à l'âge de 35 ans, c'est la fin d'une légende des quartiers nord de Marseille. La voiture de la victime a été criblée de balles. Des munitions de calibre 12 et 9 ont été retrouvées par les enquêteurs. On évoque aussi des tirs de Kalachnikov. Le conducteur a été poursuivi sur cette route de Bouc Belair en plein jour autour de 14h30. Sa voiture That's crazy. Quitter la chaussée pour s'enfoncer sur le... They wanted bro bad. They was after bro. J'ai entendu des coups de feu, j'habite à 2h30. Come on. Des gros coups de feu, ça m'a alerté. I live 200 meters from... Why are you talking about this on the news? You live to... Why would... Et je suis sorti de chez moi, j'ai entendu encore quelques petits coups de feu, mais ça venait d'un petit calibre, les deuxièmes coups de feu. Et puis 5-10 minutes après, j'ai pris ma voiture pour me déplacer. Et je suis arrivé ici, j'ai vu que... Il y avait personne. Please, if you're watching this, do not be skipping my ads. I gotta skip it because look, we got a show to run. Y'all do not want to see these 18 seconds. It's a lot of y'all. It's a lot of y'all. But you by yourself at home, do not be skipping my ads. I'm doing this for us. I skipped it for us, for our entertainment. Please do not be skipping my ads at home. You on your bed at home chilling. Maybe you put this on the TV. Maybe I'm on your TV. You chilling. Do not be skipping my ads. Oh, damn. Oh. Look, I got so mad. It felt damn. Do not be skipping them, please. I said please. I did say please. Pied, pas de gendarme. J'ai vu la voiture dans le décor. Moteur hurlant. Je suis sorti et puis j'ai vu. Voilà, j'ai vu cette voiture avec la fumée qui se dégageait. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas normal, j'ai appelé la police. Selon la procureure de la République d'Aix-en-Provence, la victime, âgée de 36 ans, n'aurait pas un casier judiciaire particulièrement chargé. Pourtant, l'enquête avait d'abord été confiée à la section recherche de la gendarmerie de Marseille. Et en fin d'après-midi, c'est la police judiciaire qui récupère l'affaire, car elle était déjà en train d'enquêter sur la victime. En début de soirée, les policiers et scientifiques prennent le relais sur le terrain et poursuivent leurs investigations. Selon plusieurs rumeurs, les auteurs du meurtre de Nassim ne seraient autres que Gérald Campanella, accompagné de Alain Armato. L'ADN de Gérald a d'ailleurs été retrouvé sur une des 57 douilles présentes sur les lieux de la fusillade. Finalement, Gérald... Une des 50... DNA? They're talking about DNA? Cette douille présente sur les...
So you're telling me the DNA was found on one of the shell casings? One of the... ...lieu de la fusillade. Finalement, Gérald ne se... Yo, these police be putting hella money in these investigations. Oh my god. Oh my god. I be telling y'all, it's not even worth it to do these crimes, bro. It's not worth it. With the cameras, the technology they have. So look, just imagine this. You'll be happy. You are so happy when Apple just updates your phone, new technology. Just imagine what the police got. Just imagine what the police got. Pas condamné pour l'homicide de Nassim, malgré la présence de son ADN sur la douille, et malgré le fait que quasiment tout Marseille savait que c'était lui qui était derrière ce meurtre. Streets do be talking. Streets be talking, but there's no evidence. When streets be talking, it just be blah, 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 blah. But it do be right a lot of times. Streets do be right. I ain't even gonna lie. Streets do be talking like a motherfucker. Et malgré le fait que quasiment tout Marseille savait que c'était lui qui était derrière ce meurtre, Nassim était un véritable danger pour les Campanella. C'est pour cela que ces derniers sont partis eux-mêmes l'exécuter. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Si jamais ils l'avaient raté, ça aurait sûrement été eux qui auraient pris sa place dans le cercueil. Peu avant la mort de Nassim, la JIRS avait récupéré son dossier à la PJ, ce qui veut dire que Nassim était réellement un gros poisson, car la JIRS ne s'occupe que des affaires concernant le grand banditisme organisé. Cependant, les investigations seront définitivement suspendues à la mort de Nassim. Quelques mois après la mort de Nassim, le rappeur Jul va lui dédier un court passage dans le son, « Je sais que tu m'aimes pas ». Jul va lui dédier un court passage dans le son. Je sais que tu m'aimes pas. Si tu m'aimes pas, faut pas te forcer. Je t'explique même pas. J'en ai des nausées. Je pète un câble, ça vous explose. Je me suis tiré les cheveux. Mauvaise nouvelle. Pour toi, frérot, je fais un vœu. Tu me calcules plus. Y'a un gars là maintenant. I'm about to learn, I'm be telling y'all, I'm about to learn the language. Cause look, it's like the French thing is about to be a thing main. So it's about to be forever till I'm done with this YouTube-ish. And I don't know when I'm done with it. So I might as well learn the language. Cause I'll be doing a lot of French reactions. But at this point, I'm not there yet. So y'all gotta let me know, what is he saying? The translation's kinda translating. It's kinda translating. But bro was singing at the beginning too, so yeah, I got lost. Je me suis tiré les cheveux, mauvaise nouvelle. Pour toi, frérot, je fais un vœu. Tu me calcules plus. Et voilà où se termine cette triste histoire de Nassim, la définition du grand banditisme. Ce que nous apprend cette histoire est que, une fois de plus, les mêmes histoires se répètent encore et encore dans les quartiers nord de Marseille. Un jeune qui commet des petits délits. Facts, that is crazy. It just be different. It be like same stories, but different people. And it be like all over though. It be like all over, I swear. It be like the same story, the same... Young guy from the hood trying to make it out. It be like the same story, same, but different people, different places. If you get me, you get me. If you understand me, you understand. But this is like same story. I be doing a lot of reactions. It's like Sweden, UK, US. I swear, this be the same stories. And it be ending the same way too. That's why I be telling y'all, stay inside, please. Please stay inside. Fini en prison, et, au lieu de le réhabiliter, la prison fait en réalité tout le contraire, une véritable université du crime. Toutes les personnes rentrant en prison ressortent encore plus déterminées que jamais pour commettre des méfaits. C'est exactement ce qui est arrivé à Nassim, un homme qui a malheureusement, comme beaucoup, eu de mauvaises fréquentations, puis goûté à l'illusion de l'argent. Yeah, y'all gotta explain this to me. I never understood this. Pour commettre des méfaits, c'est exact. They be saying like Jill, if you made it this far, they be saying like Jill is like
the university of like the thieves, like the people, like the people that be doing bad. I don't know. Y'all gotta explain it. Cause I be staying inside, obviously. But I be hearing, I be watching documentaries. People be saying they be going to jail for like, I don't know. People be, I don't know. Let in this story, bro stole something from the store, basically. Bro go to jail for like 3 months. He learns a lot of stuff. He comes out. Now he this big ass gangster. He doing crazy stuff now. Y'all gotta explain this whole jail university. Y'all gotta explain that to me. Comment ce qui est arrivé à Nassim, un homme qui a malheureusement, comme beaucoup, eu de mauvaises fréquentations, puis goûté à l'illusion de l'argent facile, et qui en est finalement devenu accro, jusqu'à ne plus pouvoir le quitter. Nassim avait réussi là où beaucoup ont échoué, il avait réussi à se hisser au plus haut niveau de la criminalité corso-marseillaise, mais, dans le monde du grand banditisme, la chute est aussi violente que la montée, un jour tu es au top, et le lendemain 6 pieds sous terre, ainsi va la vie de ceux qui décident de rentrer dans ce monde, quoi qu'il en soit, que repose en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles. Yo, get on your grind. Please do not choose the easy money. Please, please. I want to choose the easy money. I want to choose that route. I ain't even gonna lie to you. I want to choose that route. I want to stop all this YouTube grind and just start doing other stuff. I'm not finna say it because I don't want to promote that type of stuff on this YouTube channel. I'll be telling y'all it's all positivity. But I swear, bro, some days I'll be like, oh, I don't want to do this no more. Let me try to do this. Let me go, that lane, make some money. But nah, bro, grind. Stick to the grind, I swear. I don't know, bro. Keep working. We'll make it one day, I hope, I guess. Like, comment, abonne, follow my Twitter. I draw that stuff and I'm out.